Hello, hello, la famille. Hola, comment dites-vous ici en Espagne? Qu'est-ce que vous croyez que vous avez bien dormi? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu, surtout quand je me retrouve encore devant ma caméra pour faire la vidéo à ma famille. Ça me fait beaucoup plaisir. Bienvenue sur votre page Buzzsprout TV, votre page qui fait dans l'actualité des stars en temps et en heure réelle. Ici, on est spécialisé dans le Japon des stars en Afrique et de par le monde entier. Je me présente, je suis Afro Princesse, l'assistante de Buzzsprout pour vous faire plaisir. Ah oui, Buzzsprout c'est une assistante, c'est moi. Et tant que je peux, tant que je serai encore disponible, je vous promets toujours de produire quelques contenus pour vous. Bon, si je reviens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de Secret Story. Oui, vous savez qu'actuellement là, il y a le show, il y a le show, il y a le show. Ça bouge beaucoup parce que nous sommes déjà à la dernière phase, à presque à la fin de Secret Story. C'est la finale, oui, la grande finale de la première saison de Secret Story Afrique. Qui sera le vainqueur? Qui remportera cette couronne de gagnant de la première saison de Secret Story Afrique? Ça va dans tous les sens, ça buzz, ça marche, il y a les buzz, il y a les sondages, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a. Oh, la saison sinon, ça a donné. Hey, première saison de Secret Story Afrique, pour moi, rien à dire, excellent. Pour un début, on sait que nous les Africains, on ne sait vraiment pas souvent faire les choses, mais là, j'apprécie beaucoup. C'est beaucoup suivi. Il y a l'audience, c'est médiatisé. Nous tous, on est là, on est scotché, on regarde et vraiment, ça fait du bien, ça fait plaisir. Moi, je regardais ça au pays quand je suis arrivée ici. Je demande, est-ce qu'il y a les chaînes africaines? On me dit, oui, dans les bouquets, machin, machin, machin. Ah, c'est un peu compliqué, que merde. Je vais me faire comment pour voir mon secret story. Pourtant, j'étais que quand j'étais au pays, même quand j'allais faire mon petit stage, j'étais là sur mon ordinateur, ça passait toute la journée. Je viens, je guette, je regarde. Ou bien à la télé du bureau, on voyait vraiment ça. Après, subitement, j'arrive ici, je ne vois plus secret story. Je sens qu'il y a un petit truc qui me manque ou quoi. J'étais fan de beaucoup de candidats dans la maison. Il y a d'abord Papa Emmanuel, oui, le continental, c'est d'abord comme ça. Nous, on n'est pas hommes là-bas. J'aime d'abord mon frère. Il y avait Awa Sanogo que j'aimais beaucoup. Il y avait également Yann Ami. Il y avait aussi Cathy. En fait, c'était mes préférés là-bas. J'arrivais dans ici, on me dit que je ne sais pas comment je vais faire pour avoir Secret Story. On me dit non, télécharge Telegram dans ton ordinateur. J'arrive même à chercher ma télécharger Telegram dans mon ordinateur. Ça ne donne plus. Oh, c'est le Windows machin quoi. Ouais! Je vous dis que j'ai économisé mon argent. Je suis chez le dépanneur. Dit que pardon, mettez-moi si c'est Windows machin là. Je dois voir mon secret story. Il faut pas que je rate ça. Et sur YouTube même, c'est pas disponible. On me donne juste les extraits. Moi, je veux voir ça le H24 comme ça passe. Et voilà aussi une particularité que j'aime beaucoup sur Secret Story. Ça passe H24. Ça fait que tu peux tourner, tourner. Tu viens, tu jettes un coup d'œil. Tu viens, tu tournes, tournes, tu jettes un coup d'œil. Certains disent que oh, c'est parce que en Afrique, il y a quoi les chômeurs. C'est pour ça qu'ils ont mis H24. Qui vous a dit ça? Même dans les bureaux, tu peux être en train de travailler, en train de guetter de temps à autre Secret Story. Comme je vous disais tantôt, la finale, c'est samedi. C'est samedi et c'est chaud. Je suis en train de voir les sondages. Actuellement, c'est Awa Sanogo qui est en tête, lui. C'est aussi ma personne personnelle, mes gars. Je préfère d'avoir mon frère Emmanuel parce qu'il a également été un très très bon joueur pendant cette saison. Il a également été très très stratège. On a donné 10 raisons de voter Papa Emma. On a dit qu'il est stratège, il est bien éduqué, il est poli, il n'a pas cédé aux tentations des avances des femmes dans la maison. Il est resté focus sur ce qu'il est venu chercher parce qu'il sait qu'il a son épouse, il la respecte. Il a été très intelligent même durant tous les jeux. Il a gagné presque tous les jeux. Il a trouvé la clé du trésor à Kram gardait. Et également quoi? C'est un citable. C'est quelqu'un qui est... Il a été très, très honnête, très fair play. Tu vas pas voir qu'il est dans les petits Congos, ça, les ragots. Il a su garder sa place d'aîné. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai demandé aux gens de le voter parce qu'ici, on ne vote pas. J'ai essayé de taper Secret Story. Ici, en Espagne, on dit qu'on n'est pas éligible dans les gens, parmi les personnes qui votent. Mais j'envoie le lien à tout le monde qui peut voter. Votons ou votons. Encourageant nos confrères le continentais. Au moins, il doit savoir qu'il a du soutien. Même si c'est Awa qui gagne au Kachi, pas de souci. Que le meilleur gagne. Mais moi, je vous dis, je suis d'abord Papa Emmanuel. Papa Emmanuel, c'est d'abord lui. Et c'est sa femme qui organisait la campagne là pour voter son mari. Elle est une très, très bonne femme. C'est ça, maman, vraiment du courage. Il faut encourager qu'on vote ton mari, qu'on le soulève jusqu'au ciel. Il mérite. Il mérite. Il est très, très bon. Il a un bon cœur. Les anglophones, non, je vous dis, la famille. On va dire que oh, je prends peut-être le point de vue. Mais moi, mon point de vue, chez nous, là-bas au Cameroun, nord, ouest, sud-ouest, ce sont les personnes les plus grosses. On dit qu'ils sont à gauche, mais ce sont les personnes les plus grosses. Ils sont vrais, ils sont sincères, ils sont carrés, ils disent toujours ce qu'ils pensent. Si un anglophone te dit quelque chose qu'il ne pense pas,
ils sont quand même. C'est pas que il y en a ceux qui ne sont pas malhonnêtes, il y a ceux qui sont bizarres, mais la majorité sont de belles personnes. Je conseille à tout le monde, aux continentais qui me regardent là, d'avoir une connaissance proche anglophone dans sa vie. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Même en question amitié, en question fraternité, ils sont très très bons. Ma deuxième candidate après Papa Emmanuel, j'ai dit c'est Awa Sanogo. Je veux qu'elle gagne parce qu'elle a beaucoup animé la maison également. Elle a son caractère. Elle, c'est une dure à cuire. Elle est un peu comme moi. Elle ne se laisse pas faire. Oui. Malgré qu'elle a parfois les écarts de comportement, mais elle s'est revenue. Dans le fond, on sent que c'est une personne douce, aimante et tout. Vous avez suivi tout ce qu'elle a vécu dans son enfance avec le body shaming par rapport à son teint. Mais elle est toujours là. Je me dis que c'est parfois les quelques frustrations-là qui l'affectent. Cathy, oui, c'est une personne vraie. Elle est bonne, elle est sincère, elle peut payer pour toute la maison. Elle sait mettre la bonne humeur. Elle est drôle, elle est stratège, elle sait jouer. Juste qu'elle est tombée amoureuse dans la maison et pas de la bonne personne parce que je me dis que Akram n'est pas encore le genre de gars qui est stable dans ses sentiments. Il dit qu'il parce que d'après ses propos, il aimait les deux. Il aime Benika, il aime Cathy, il sait pas comment se décider. Mais vous voyez qu'à peine d'ailleurs, il a envie de manger l'amour avec Benika. Si c'était également Cathy qui sortait, il allait faire pareil. Donc moi, je te conseille de laisser le dossier là, ma chérie. Donc moi je te conseille de laisser le dossier à ma chérie, tu es hyper jolie, tu peux trouver mieux qu'Akram, je trouve, hein, parce que moi je trouve pas, je trouve que tu es assez mature pour lui. S'il trouve son bonheur avec Benika, ok d'accord, on est là, c'est un couple, non, ils se sont formés à Mondovision, ils vont continuer aussi à afficher à Mondovision. On va regarder et voir ce que ça va donner à la longue. Mais en poussant, pour ça, moi, je vais être quand même le bonheur. Parce qu'ensemble, quand même, ils forment un beau couple. Et ça me plaît au moins, c'est savoir qu'il y a eu un couple dans l'aventure. Ceux qui disent qu'on va voir combien de temps ça va marcher, là, arrêtez les grèves. Ce temps sur le bonheur, genre, peut-être que ça peut marcher, on ne sait jamais. On est là, on observe. Quant à Ange et à Maïmouna. Maïmouna, je l'aime bien parce que c'est une personne aussi. En fait, j'aime même tous les candidats. Elle a l'air très fragile. Vous voyez un peu, genre de personnes qui jouent les durs à cuire, mais tu sens que dans le fond, elle est hyper fragile. Vous voyez ce qu'elle a fait avec Ange. Elle dit qu'elle n'a pas, elle a déjà assez donné d'amour aux gens. Vous voyez un peu, cette fois-ci également, elle a le droit d'être heureuse et tout. Donc elle préfère même seulement arracher parce qu'elle également, elle était trop calme. On a beaucoup pris les peut-être les partenaires qu'elle aimait. J'espère également que leur couple va continuer loin. Même comme Angé dans la même maison, il a été avec Berish, il a été avec celle qui est partie, Marlène, maintenant c'est Maïmouna. Il est un peu trop. En tout cas, c'est un jeune garçon, vous comprenez. Il y a les commentaires qui disaient que si dedans il est à comme ça, il voit les femmes, il est à croire femme à moins de quelques mois. À plus fort raison d'ailleurs, alors ça va donner quoi. En tout cas, Maïmouna a dit qu'elle a le cardio, elle va supporter. C'est quand même notre Miss Mali 2024. Bon, la famille, c'était juste mon point de vue par rapport à cette finale de Secret Story qui s'annonce hyper chaude. Qui va gagner? La tension à son comble. On se demande qui va prendre cette prestigieuse couronne de gagnant de la première saison de Secret Story Afrique. On est là. Là, on observe, on continue à regarder. Merci à tous ceux qui sont abonnés à notre page, qui nous soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Passez une belle journée et sous la protection divine, n'oubliez pas de prier. Je le dis tout le temps, c'est dans la fin de mes vidéos. Parce que pour moi, c'est Dieu la base. C'est la base, c'est le basique de toutes choses. Bisous, bisous et à tantôt.